Voilà, à tous et à tous, nous sommes revenus quand même pour présenter sans doute la dernière vidéo de l'année. Comme vous l'avez constaté, précédemment, nous avions réussi quand même à démontrer la poésie du point de vue de la dissertation. Nous avions fait la même chose avec la littérature en général, ouverte comme fermée. Si vous jetez un coup d'œil aussi, je ne me rappelle plus quand même, mais nous avions aussi démontré comment faire la dissertation sur les personnages romanesques et les fonctions du roman. Mais aujourd'hui, pour consolider quand même le travail, nous allons nous intéresser, comme vous l'avez constaté derrière, ce qu'on appelle à la méthodologie. C'est-à-dire, l'élève, comme j'ai l'habitude de le dire en classe, peut beau avoir les meilleurs arguments du monde, mais si ce dernier ne maîtrise pas la méthodologie, il n'aura jamais de moyens. C'est une manière de vous dire que c'est l'un des axes, autant pour moi, les plus importants d'une dissertation. Dans toute dissertation, il y a la forme et le fond. La forme, c'est la méthodologie. Le fond, c'est le contenu, autrement dit, les arguments dont l'élève doit élaborer pour espérer avoir un 15 ou un 16. Alors, donc concernant la méthodologie de la dissertation, bien entendu, l'élève doit d'abord comprendre que nous avons trois grandes parties. Mais chaque partie a ses propres réalités. Alors, si je dis ses propres réalités, c'est-à-dire l'introduction, quelles sont les parties et comment élaborer ces parties pour la réussir. Au niveau de l'introduction, l'élève doit tout faire pour avoir ce qu'on appelle le chiffre 5. Alors, forcément, l'élève pose la question, qu'est-ce que le chiffre 5? Le chiffre 5 n'est rien d'autre, les 5 parties qu'on doit avoir dans une introduction. Lesquelles? D'abord, on demande à l'élève de situer le sujet, comme vous l'appelez souvent, amener le sujet. C'est du pareil au même. Deuxièmement, on demande à l'élève d'annoncer le sujet, comme vous l'appelez, poser le sujet. Troisièmement, l'élève doit dégager ce qu'on appelle le sens, qu'on appelle la reformulation. Quatrièmement, l'élève doit élaborer la fameuse problématique. Et enfin, l'élève, qu'est-ce qu'il doit faire après avoir problématisé? L'élève doit emprunter ce qu'on appelle le chemin qui mène vers lui, c'est-à-dire le plan. Alors, comment citer un sujet? Pour citer un sujet, c'est très simple. Vous avez deux choix. Lesquels? D'abord, l'élève peut passer, s'il veut, par une citation. Ou bien, il peut emprunter ce qu'on appelle la voie qu'on surnomme le général au particulier. Alors, comment faire une citation par le biais de ce qu'on appelle une citation? Faites très attention à ce niveau. Souvent, je taquine souvent mes élèves en classe en leur disant que voilà, avec une citation par le biais d'une citation, l'élève peut faire ce que le Wolof appelle hors sujet fagnard. Ça fait rire, mais ça peut faire très mal. C'est-à-dire, en citant le sujet, si vous dégagez le sujet par une citation, soyez sûr que la citation est en phase avec ce qu'on appelle ce que défend l'auteur, autrement dit ce qu'on appelle le sujet. Alors, hormis maintenant ça, l'élève a fait hors sujet. Maintenant, comment faire pour éviter de faire hors sujet? Démarquez-vous de la citation. Maintenant, l'élève peut passer ce qu'on appelle par le général au particulier. Il y a plusieurs voies. Mais moi, souvent, la voie, ou bien les voies que j'emprunte, d'une part, on peut dire, si on regarde d'abord le thème général, admettons que c'est la littérature. L'essence et l'orientation des œuvres littéraires suscitent un débat contradictoire au sein des milieux intellectuels. L'élève, il fait un point, ainsi il donne raison à l'auteur. Il a déjà cité son sujet. D'autres te disent que l'art en général, l'art en particulier, suscite un débat contradictoire au sein des milieux intellectuels. Ainsi, vous donnez raison à l'auteur, vous avez cité. Après avoir cité, il faut annoncer le sujet. On n'annonce pas n'importe quoi. En annonçant n'importe comment, du moins. En annonçant, l'élève doit convoquer ce qu'on appelle un des liens logiques suivants. Une des liens logiques. L'élève, il dit, c'est dans ce contexte que s'inscrit le sujet suivant. Ou bien c'est dans cette logique que s'inscrit le sujet suivant. Ou bien c'est sous ce rapport que s'inscrit le sujet suivant. Mais, vous pouvez tomber sur un sujet qui émane ce qu'on appelle d'un auteur. Si le nom de l'auteur est mentionné au niveau de ce qu'on appelle du libellé, en annonçant le sujet, reprenez le nom de l'auteur. Mais si le nom n'a pas été mentionné, même si vous connaissez le nom, ne reprenez pas le nom de l'auteur. Ce sont des choses, ce sont des détails qu'il faut prendre en considération. Après ça, il y a ce qu'on appelle le travail préalable, la troisième partie là, qu'on appelle le sens, la reformulation. Que signifie reformuler? Récrire le sujet sous un autre angle, avec pour mettre en valeur ce qu'on appelle une compréhension, sans pour autant changer le sens. Récrire le sujet sous un autre angle,
avec ce qu'on appelle la manière la plus compréhensible possible, sans pour autant changer le sens. C'est la raison pour laquelle ici l'élève, qu'est-ce qu'il dit? Autrement dit, ou bien ce qu'on appelle en d'autres termes. Après la reformulation, on demande à l'élève de problématiser. Souvent, cette partie est souvent, fait souvent l'objet des débats entre les élèves. Certains élèves me posent souvent la question, « Monsieur, est-ce que la problématique elle est obligatoire ?» Bon, je ne dirais pas qu'elle est obligatoire à 100%, mais je peux vous dire une chose dont je suis sûr et certain. Un élève qui problématise, s'il a 15, un élève qui ne la fait pas peut avoir 12. Autrement dit, si vous parvenez à réussir la situation, à réussir à annoncer le sujet, à réussir à reformuler le plan qui vous attend, moi je ne vois pas le pourquoi l'élève ne doit pas ce qu'on appelle problématiser. Donc cette problématique n'est rien d'autre que une phrase interrogative. Comment ? Soit l'élève prend le sujet, il le reformule à sa manière, il soulève ce qu'on appelle l'interrogation à sa manière. Mais si le sujet est long, en problématisant, il faut prendre ce qu'on appelle la partie qui a été soutenue. Autrement dit, si vous avez ce qu'on appelle un sujet à orientation dialectique souvent, il faut problématiser à partir de ce qu'on appelle de la partie qui a été confirmée. À défaut de ça, vous prenez la reformulation et vous la problématisez. Par exemple, si on dit, l'élève il dit, autrement dit, la littérature est une vision. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'il dit pour problématiser? La littérature était réellement une vision. La littérature, ou bien la littérature est-elle vraiment une vision, ou bien la littérature est-elle uniquement ce qu'on appelle une vision? Ne l'oubliez pas, j'ai besoin de voir ce qu'on appelle mon point d'interrogation. Après le point d'interrogation, maintenant, l'élève élabore son plan. Ce qu'il faut éviter au niveau du plan, il ne faut jamais reprendre ce qu'on appelle la consigne. À la place de vous, l'élève, il met nous. C'est dangereux. Si vous le faites, on peut vous fusiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, qu'est-ce que vous avez au niveau de la thèse? Qu'est-ce que l'élève a au niveau de sa nuance? Est-ce que l'élève a ce qu'on appelle sa synthèse? Admettons que la vision, nous, ça c'est l'engagement présent. Au niveau de la nuance, nous avons ce qu'on appelle le divertissement. Au niveau de la synthèse, nous avons ce qu'on appelle la complémentarité. L'élève, qu'est-ce qu'il dira? Pour annoncer son plan, il faut le connecter d'abord avec ce qu'on appelle la problématique. Pour répondre à une telle interrogation, notre analyse s'articulera autour des orientations suivantes. Convoquer les liens logiques. D'abord, nous expliquons l'idée selon laquelle la littérature est engagée. Ensuite, nous démontrons sa dimension distractive. Et enfin, nous établissons ce qu'on appelle une complémentarité et vous êtes dans les dispositions d'avoir la moyenne. Maintenant, après l'introduction, l'élève attaque ce qu'on appelle le corps du devoir, qu'on appelle le développement. Souvent, dans le développement, si vous avez trois parties, il y a la première partie qu'on appelle la thèse, la deuxième partie, on la surnomme la nuance, la troisième partie, on la surnomme ce qu'on appelle la fameuse synthèse. Alors, une fois n'est pas coutume, permettez-moi de démarrer par la troisième partie. C'est pour attirer l'attention des élèves qui croient qu'à chaque fois la troisième partie c'est la réconciliation ou bien la synthèse. Descendez-vous. Nous avons deux types de troisième partie. Soit vous avez ce qu'on appelle la réconciliation, soit vous avez la fonction restante. Cette fonction restante, on peut vous demander donner la fonction véritable de la littérature. Dans ce cas, ça devient le divertissement. Mais si jamais vous avez traité le divertissement comme thèse, l'engagement comme nuance, on peut vous dire démontrer que la thèse peut être personnelle. Dans ce cas, la troisième partie sera ce qu'on appelle la littérature lyrique. Mais là, ici, la thèse, pour déclencher la thèse, il faut partir avec ce qu'on appelle la phrase présentative ou bien la phrase introductive. L'élève, qu'est-ce qu'il dira? L'inspiration littéraire doit prendre en considération le domaine distractif. Alors là, c'est une littérature. L'élève nous dit ainsi, il emprunte la voie de la poésie divertissante. Maintenant, s'il termine la poésie divertissante, il part à la ligne. Les deux paragraphes doivent être connectés par ce qu'on appelle ce lien logique. En outre, dans l'espace romanesque, l'élève annonce ce qu'on appelle le roman imaginaire, ou bien le roman fictif, ou bien le roman distractif, ou bien ce qu'on appelle le roman divertissant. Vous avez remarqué, je suis en train de ce qu'on appelle d'énumérer les expressions. Ce sont des synonymes. Les chiralistes ont créé ce qu'on appelle une technique qu'on appelle les champs magnétiques. Plusieurs expressions en un seul sens. Après avoir démontré ce qu'on appelle le roman distractif, maintenant l'élève a bouclé la thèse parce que minimum, il faut avoir ce qu'on appelle deux paragraphes. L'élève peut faire trois. S'il a le corps chaud, il peut faire quatre. Mais gare à l'élève qui fait quatre, cinq, on vous attend ce qu'on appelle sur les fautes. Et là, vous risquez de passer un sale quart d'heure ou bien une très sale soirée. Attention! Maintenant, après avoir bouclé ce qu'on appelle la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième paragraphe de la thèse, n'attaquez pas la nuance comme ça. Pour attaquer la nuance, l'élève doit mettre en valeur ce qu'on appelle une phrase de transition. Admettons que ça, c'est le divertissement, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, vous avez l'engagement. Comment annoncer ce qu'on appelle cette phrase de transition? Cependant, ne peut-elle pas être ce qu'on appelle engagée? Ou bien cependant, la tête ne peut-elle pas être engagée? Maintenant, revenez ici avec la phrase introductive.
Mais quelle est la différence? Au niveau de la thèse, on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle un effet. Mais après avoir annoncé la phrase de transition, au niveau de ce qu'on appelle de la nuance, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites, en effet, l'inspiration littéraire doit prendre en considération le domaine de ce qu'on appelle social. Alors, ainsi comme vous aviez fait dans le domaine du roman, vous développez le roman engagé. Si vous terminez, vous allez à la ligne, vous mettez encore en outre pour faire ce qu'on appelle la connexion entre les deux paragraphes, vous développez ce qu'on appelle la poésie engagée. Maintenant, vous avez deux paragraphes au niveau de la thèse, deux paragraphes au niveau de la nuance. Maintenant, après la nuance, ce n'est pas la peine de faire une conclusion partielle. Il y a une seule conclusion partielle. Et là, c'est juste après ce qu'on appelle le deuxième paragraphe de la thèse. Maintenant, après ça, maintenant, vous dégagez ce qu'on appelle la synthèse. Qu'est-ce que la synthèse? La synthèse n'est rien d'autre que la réconciliation entre ce qu'on appelle la thèse et la nuance. Littérativement parlant, on la surnomme ce qu'on appelle l'aspect genus. Alors, on peut vous dire, établissez une complémentarité, les fonctions ne se suscitent pas, démontrer ce qu'on appelle la vision mixte de la littérature, etc., etc. L'élève, qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, mais en faisant la synthèse, il faut éviter ceci. Convoquer un auteur qui milite en faveur du divertissement et un auteur qui milite en faveur de ce qu'on appelle de l'engagement, ça ne se fait pas. Un seul auteur qui milite en faveur des deux. Ça peut être par le biais d'une citation ou bien par le biais de ce qu'on appelle d'une œuvre en quelque sorte. Alors, l'élève, qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, les fonctions de la littérature ne s'exécutent pas mutuellement. Au contraire, elles sont complémentaires. En d'autres termes, la littérature est à la fois distractive et engagée. Alors, on donne une référence à l'image de Hugo qui déclare: l'art pour l'art c'est beau, mais l'art pour le progrès est meilleur. Vous expliquez la citation autrement dit. La littérature qui s'intéresse à ce qu'on appelle à la distraction est très importante, mais celle qui prend en charge les questions sociales semble encore être mieux. Et là, vous avez ce qu'on appelle la synthèse. Après cette synthèse, l'élève, qu'est-ce qu'il fera? L'élève va attaquer forcément ce qu'on appelle la fameuse conclusion. Maintenant, dans cette conclusion, il y a le chiffre 3. Ici, j'ai annoncé le chiffre 5. Ici, j'ai annoncé le chiffre 3. Pourquoi le chiffre 3? Nous avons d'abord ce qu'on appelle le fameux bilan. Après le bilan, nous avons ce qu'on appelle l'opinion personnelle. Après l'opinion personnelle, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ce qu'on appelle la fameuse perspective. Alors, qu'est-ce que le bilan? Le bilan, c'est se rappeler des temps forts du développement, la thèse et la nuance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, il faut démarrer par ces mots, par exemple, dont vous choisissez un. En définitive, au bout du compte, au total, en somme. L'élève, qu'est-ce qu'il dira? En définitive, regardez la thèse et la nuance. Il ressort sur cette analyse la mission, ce qu'on appelle de l'écrivain est pluriel. Si c'était la poésie, vous dites la mission du poète. Le roman, la mission du romancier. Mais ici, c'est la littérature. La mission de l'écrivain est pluriel. En effet, si pour certains, vous regardez la thèse, l'écrivain prend en charge le domaine distractif. Pour d'autres, par contre, il doit s'intéresser à ce qu'on appelle aux questions sociales. Et là, vous avez fait ce qu'on appelle le bilan. Maintenant, que signifie l'opinion personnelle? L'élève prend position, soit il prend position en faveur de la thèse, soit il prend position ce qu'on appelle en faveur de la nuance. Comment? Là, ça ne vous donne pas le droit de mettre ce qu'on appelle en valeur le jeu. Le jeu est mort en dissertation. Si vous le faites, on vous donne deux. Excusez-moi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? En ce qui nous concerne, nous pensons que l'écrivain doit être en phase avec son milieu, avec son temps, au lieu de s'attarder autour de ce qu'on appelle de la distraction. J'ai pris position en faveur de l'engagement. Ce qui nous donne maintenant le droit d'ouvrir ce qu'on appelle la brèche, qu'on appelle la perspective. Vous avez deux types de perspectives. Soit l'élève dira, que serait alors la littérature sans la fonction engagée? Le pourquoi? Parce que nous nous sommes militants en faveur de l'engagement. Ou bien l'élève peut dire, la littérature n'a-t-elle pas d'autre vocation? Et là, vous avez ce qu'on appelle le point d'interrogation. Je vous conseille de relire. Relire encore, pourquoi? Pour diminuer ce qu'on appelle les fautes, moins de fautes. L'élève peut avoir minimum ce qu'on appelle un 15 en dissertation. Et chers élèves, je vais vous taquiner un peu. Si vous êtes en L2, prenez 15, vous multipliez par 5. L', prenez 15, vous multipliez ce qu'on appelle par 6. S, prenez 15, multipliez par 3. C'est une manière de vous dire qu'on ne peut pas aller ce qu'on appelle sans nous les